Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en édition spéciale provinciale. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans la deuxième partie. Nous recevons, comme l'a annoncé Élise à l'instant, Paul Niaoutine, tête de liste de l'UNIC qui a recueilli 9709 voix, soit 38,5% des suffrages exprimés en province Nord, la liste qui a remporté, je le rappelle, les provinciales dans le Nord. Paul Niaoutine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais que l'on regarde sans plus tarder la répartition des sièges en province Nord. La voici, voilà, la nouvelle composition de la province Nord. L'UNI conforte son assise dans l'institution en gagnant même un siège de plus par rapport au dernier exercice. Paul Niaoutine, vous l'attendez, ce résultat? Oui, je tiens déjà à remercier les citoyennes et les citoyens qui nous ont apporté leur confiance, qui ont voté pour notre leitmotiv confortant notre souveraineté, c'est-à-dire que l'on propose de poursuivre en étant élu, la mise en place des dispositifs et des services qui vont permettre à la province, mais aussi au pays, d'assumer donc des compétences dévolues et que quand on les exerce, c'est souverainement, puisque on dessine pour nous-mêmes et pour le pays. Et donc, je tiens à remercier toutes les citoyennes et les citoyens qui nous ont apporté la confiance, mais aussi tous ceux qui ont participé à ces provinciales, parce que nous sommes en démocratie, donc il y avait 6 possibilités de vote, et voilà, donc ils se sont exprimés. Vous avez, j'imagine que vous allez briguer votre cinquième, enfin l'UNI conserve son mandat. Alors oui, en effet. Vous avez eu le temps de savourer un peu, la soirée a été longue? Non, je suis resté à mon bureau de vote jusqu'à minuit et demi, parce que je dois rappeler que j'avais effectivement à gérer un souci dès l'ouverture du bureau de vote, le fait que la liste électorale d'émargement, bien entendu, qui avait été fournie, les numéros d'inscription ne correspondaient pas à ceux des inscriptions de 2014, disons. Mmh. Et donc, il a fallu qu'on mette en place, qu'on fasse systématiquement donc, des attestations. Mmh. Qui remplace donc le bulletin de vote. Voilà, donc il fallait que ce soit écrit sur les PV. Mmh. Mais le sujet a été amorti avec les services officiels. Et donc, je me suis reposé un peu. Mais... J'ai cru comprendre que vous avez dû relire, revoir encore les résultats justement suite. Non, ça, à ce souci. Il semble qu'un bruit, parce que j'ai été appelé par l'équipe, ceux qui contrôlent les choses, pour savoir si on recomptait. Non, il n'y a jamais eu de recomptage. C'est simplement qu'on prenait le temps, nous, de mettre sur les PV les observations qui ont été enregistrées par nos présidents de bureau de vote. Et comme d'habitude, on prend le temps de que les choses soient écrites comme il faut, mais on n'a pas dû recompter, non, c'était OK. Alors, vous êtes tête de liste de la liste UNI, qui remporte, je le rappelle, ces provinciales. En province Nord, il y a une question que j'aimerais tout de suite vous la poser. Est-ce que vous allez être, une fois de plus, pour un cinquième mandat, président de la province Nord? Alors, donc, je ne suis pas candidat, je veux dire, c'est mes colistiers, les trois composantes de la démarche UNI, c'est-à-dire Palika, IPM et l'association UNI, dans l'ouverture, qui a pris le temps de faire le bilan, de définir s'il fallait repartir, quelles seraient les perspectives, et qui a ensuite, en fin de parcours, juste avant le dépôt de liste, qui se sont prononcés sur les noms à faire figurer sur cette liste, il fallait 32 noms. Donc, dans cette démarche-là, bien évidemment, la tête de liste est supposée être là pour tirer la liste pour le Nord. Et donc, évidemment, c'est le principe. Si on lui fait confiance, ce serait pour qu'il soit d'abord à la province Nord et pas ailleurs. Donc, tout naturellement, oui, ma liste va me proposer. C'est vrai qu'il est important de rappeler quand même aux téléspectateurs que ce n'est pas forcément le tête de liste qui est élu à la présidence d'une institution. Pas du tout. Voilà, à titre personnel, vous avez 68 ans, on l'a vu dans le reportage juste avant avec Élise. Est-ce que vous vous sentez prêt à pouvoir partir sur 5 années? Comme je l'ai dit quand vous m'avez invité la dernière fois,
Moi, je n'ai jamais été, ça n'a jamais été mon choix personnel de devenir un institutionnel, en tout le cas, encore moins en politique. Donc c'est le concours de l'histoire du mouvement de libération nationale qui a fait que je me suis retrouvé à être proposé à la mairie de Panimé et sur la liste de FLNKS en 1989, après les accords de Matignon-Dino. Et donc, comme je viens de le dire, c'est culturel chez nous. J'ai bien entendu qu'il y avait, des jeunes dits antelo-kanak qui pensaient qu'il fallait virer les vieux et qu'on pouvait se proposer en position éligible. Je tiens à redire ici ce soir que ce n'est manifestement pas une posture traditionnelle de la culture. Non, je suis ressorti ça, ou même pour être chef de clan, autorité coutumière ou chef ou grand chef, ce sont les gens qui vous désignent, pas vous-même. Donc, j'ai respecté ce principe, puisque le principe de notre démarche dans la revendication de notre de dignité, de rétablissement de nos droits, c'est d'emmener avec nous, dans la modernité, quelles que soient les étapes dans l'évolution de la société, nos propres valeurs. Mmh. Donc, jusqu'à preuve du contraire, donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, il n'y a pas à être satisfait ou pas satisfait. On va dire, on te met là, c'est pour faire le travail, c'est pas pour toi-même. Donc même l'autorité coutumière ou le chef, le grand chef, il est là pour gérer les conflits, pour régler les choses, organiser la société, à une époque où il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de système et tout ça. Donc on amène tout ça avec nous dans la modernité. Et donc si j'ai été désigné, fatigué ou pas fatigué, ben, il faut faire parce que les gens t'ont fait confiance, donc tu fais le travail, c'est tout. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte d'une erreur de jeunesse? Je viens de le dire, l'histoire me place là où je suis, et de là où je viens dans le système organisationnel, ma posture ne me permettait pas de faire autre chose que de faire ce qu'on m'a dit de faire. À partir du moment où vous êtes choisi, vous faites le travail. Donc les ambitions personnelles, comme la terminologie à l'ère moderne, on a des qualités en se vend. Ben, autrefois, il n'y avait pas à se vendre, il n'y avait pas de marché. Hein. Donc, il suffisait juste de prendre ses responsabilités. Et donc, si je viens d'être élu à la tête d'une liste, à nouveau pour la cinquième fois dans l'accord de Nouméa, ben, moi, je me contente de faire ce que j'ai à faire, c'est tout. On l'a entendu juste avant l'analyse de Claudine Véry, journaliste AFP, qui a parlé d'un vote où justement les électeurs ont voté sur une personne qui a du charisme et qui est allée jusqu'au bout, droite dans ses bottes. Et c'est une confiance, et une personne intègre aussi, c'est le mot qui est revenu. Et on va le voir justement avec des électeurs, des administrés de la commune de Point-d'Imier dans ce reportage signé Aurélie Niaoutine. En top de nuit. Unis, 1586 voix, c'est-à-dire 59,29% des voix. Arrivé en tête devant l'UCFLNKS avec 38,5%, ce scrutin se termine par la victoire de la liste Unis Palika menée par Paul Néoutine. À Point-d'Imier comme en 2014, les électeurs ont été loyaux envers leur maire. Militants et sympathisants, tous lui accordent une fidélité sans faille. Mais comment cette personnalité politique arrive-t-elle à gagner cette confiance presque inoxydable? C'est un mec qui est respectueux. Il est simple, respectueux. C'est ce qu'il est à l'écoute des gens. C'est un gars qui a toujours été droit ça, dans ses positions. Il n'a jamais dévié. Et je crois que c'est ça qui le maintient à la province. Président de la province Nord depuis 1999, le leader indépendantiste a été réélu pour un cinquième mandat. 20 ans à la tête de la province Nord, Paul Néoutine est le premier homme à occuper cette fonction aussi longtemps. Bien qu'il soit âgé de 68 ans, l'indépendantiste représente pour son électorat un symbole d'avenir, ce qui lui permet de se maintenir dans les institutions. Pour les militants de l'UCFLNKS, ce record pourrait aussi s'expliquer par une autre particularité. Je ne m'étonne pas, je suis aussi élu à la mairie de Point-d'Imier. Je ne peux que saluer le charisme, mais c'est un formateur. N'oublions pas que c'est un prof d'économie à la base. Droiture, simplicité et charisme, des qualités qui pourraient expliquer cette longévité au pouvoir.
C'est un peu, je pense, la balance qui a fait et qui fera toujours que M. Niaoutine sera à la présidence. Paul Niaoutine a été élu pour une nouvelle mandature, cette dernière mandature de l'accord de Nouméa, dont il est lui-même signataire. Voilà, Paul Niaoutine, on vient de voir ce sujet à Point-Dimier, Touo également, et Pounériouin sont des grosses communes avec un fort électorat, des communes qui ont fait basculer la balance en faveur de la liste UNI. Peut-on dire que l'UNI doit sa victoire à la côte Est ? Oui, en effet, je suis originaire de la côte Est. J'ai toujours compris implicitement que, en étant la tête de la province, on me reproche qu'est-ce que tu fais pour l'Est, c'est un déséquilibre. Donc je crois que la réponse est là. J'ai dit ce que j'avais à dire sur la côte Est. Les gens ne sont pas pauvres, ils vivent dans la dignité, mais avec les moyens d'autrefois, même dans la modernité. Et donc à travers les services publics communaux ou provinciaux, ou même la Nouvelle-Calédonie, on leur amène les services qui permettent d'avoir une qualité de vie en n'ayant pas forcément un revenu salarié, mais en bénéficiant de l'économie de subsistance. Donc je crois que la réponse, elle est là. Hein. Les gens de la côte Est, s'ils me reprochaient quelque chose, ils ne m'auraient pas donné leur confiance. Oui, je rappelle quand même les chiffres. Vous avez recueilli, la liste UNI a recueilli 1586 voix dans la commune de Point-Dimier, oui. 918 voix dans la commune de Pounériouin, avec un maire qui est sur la liste de l'Union calédonienne, en la personne de M. Tutugoro. L'UC qui recueille 516 voix. Donc c'est moins 400 voix par rapport à ce que vous avez recueilli dans cette commune. Également la commune de Tours, 724 voix contre 306 voix pour l'Union calédonienne. Donc ces chiffres confirment. Ce sont les plus gros scores que vous avez réalisés sur la côte Est, que l'on entendait hier soir et qui ont du coup... Oui, en effet, moi, j'ai quitté mon bureau de vote après les formalités à presque une heure du matin. En réalité, je n'ai pas eu le temps de regarder tous les chiffres. J'ai regardé les chiffres, le groupe qu'on m'a transmis. Mmh. Oui, en effet, la côte Est est une implantation, je veux dire, depuis la période de l'Union calédonienne, depuis les années 50, c'est bien là où sont... On va dire majoritairement les Kanaks. Hein. Autrefois, il n'y avait qu'une seule circonscription. Mmh. Ensuite, il y a eu la circonscription de la côte Est des îles par rapport à la côte Ouest. Et aujourd'hui, le redécoupage Pasqua. Donc, je veux dire, les gens qui sont sur la côte Est, dans cette partie au nord de Pounériouin, on sait très bien qu'il n'y a pas de nickel là-bas, mais nous avons toujours vécu là, même si on n'a pas eu accès aux emplois miniers pour la plupart. Hein. Donc, je veux dire, on a préservé là-bas, comme on dit, loyauté, hein, un mode d'organisation de la vie sociale, de l'économie qui relève de ce qu'on savait de la tradition. On ne les a pas perdus, ces traditions-là. Donc, ça nous accompagne aujourd'hui, même si nous avons fait tout le maximum pour que nos jeunes ressortissants qui veulent aller à la modernité, à la mobilité et autres, ben, puissent venir, par exemple, ici qu'on a créé sur la côte Ouest un pôle industriel, ben, ils peuvent venir là, ils peuvent créer des entreprises, mais ils peuvent le faire aussi en restant à la maison. Donc je veux dire que ce soit le mouvement, les partis politiques qui représentent cette frange de la population qui est essentiellement donc, dans les tribus sur la côte Est ou aux îles. Mais en même temps, nous, ce que l'on a préconisé, c'est l'ouverture de la citoyenneté et donc de prendre en compte les autres composants de la population. Justement, le mot ouverture, j'aimerais que l'on revienne. Et donc, ça fait partie de la démarche de l'UNI. Confortant notre souveraineté, apparemment, le slogan a été compris par les électeurs de la côte Est. J'aimerais maintenant que l'on passe à un autre volet de notre entretien ce soir pour Niaoutine. On va s'intéresser maintenant à la répartition du Congrès, puisque c'est maintenant vers là que tous les regards et les négociations politiques vont se faire. Voici la composition du Congrès. Donc, 3 sièges pour l'éveil océanien, 7 sièges pour Calédonie Ensemble, 18 sièges pour l'avenir en confiance. Côté indépendantiste, maintenant, l'UNI recueille 9 sièges, 6 sièges pardon, pour le FLNKS, 9 sièges pour l'UC-FLNKS. Un siège chacun pour Dynamique Autochtone et le Parti Travailliste. Alors la démarche de partir sur des listes séparées mais concertées qui a été annoncée par l'UC et l'UNI en ce qui concerne la province Nord et la province des îles
on a envie de dire que ça paie, ça porte ses fruits, puisque le bloc indépendantiste gagne 2 sièges en plus par rapport au dernier exercice au Congrès. Dans toute la Calédonie, 46 700 voix se sont portées sur les listes indépendantistes. Maintenant, avec 6 sièges, Paul Niautine, quelle sera la stratégie? Alors, donc, ramener au single, effectivement. Mais je rappelle que dans la démarche dite unitaire, hein, donc il s'agit même, donc, de, comme vous l'avez dit, hein, de partir dans le contexte de chaque province, de partir séparément aux îles et au nord. Pour ce qui concerne les partis, on va dire, adhérents du FLNKS, hein, je parle pas des autres indépendantistes, et donc dans le sud, de partir sur une seule liste pour passer la barre des 5% et donc avoir au moins une représentation. Dans cette démarche unitaire, s'est endossé à un bilan dit partagé, et donc ensuite, qu'on assume ensuite. Habillé, c'est pour moi ça a habillé, puisque effectivement on a progressé, par exemple pour ce qui concerne l'UNI, dans le nord on a progressé d'un siège, hein, et on l'a pris où? Mais on l'a pris chez les listes dites loyalistes, puisqu'ils ont revenu de 4 à 3. Si je m'en tiens simplement à la composante dite Palika, hein, du FLNKS, bon, aux îles, ça a progressé de 2 sièges. De 2 sièges, de 2, ils sont passés à 4 sièges, en effet. Oui, voilà. Et donc dans la liste FLNKS du Sud, ben, on a deux élus, hein, dans la liste unitaire. La fois d'avant, même élus sur des listes séparées, on a fait un groupe uni avec l'apport des deux camarades qui étaient élus sur la liste arc-en-ciel. Oui. Donc le chiffre qui apparaît là, c'est uni nord, hein, mais on a donc mis en 4 aux îles, hein, et donc 2 potentiellement au sud, à moins que dans la démarche dite unitaire, ses collègues, enfin, ça se discutera entre, une fois qu'on dit des choses avant d'être élu, une fois qu'on est élu, évidemment, on discute. Autour de la table. Voilà. Donc c'est bien ça le principe de la démarche unitaire. Nous avons progressé aussi bien dans chaque province. Au sud, peut-être qu'on est resté au même niveau que la fois d'avant. Même nombre de sièges. Mais donc, au niveau du gouvernement, en totalisant tous les indépendantistes, il semblerait qu'on ait 2 sièges de plus. C'est ça. Hein? Mais je constate que ces 2 sièges, il y en a un qui est une dynamique autochtone et l'autre parti travailliste. Donc, ils ne sont pas avec le FLNKS. Donc, est-ce qu'ils vont aller dans le même sens que nous? Ils ont la responsabilité de ce qu'ils auront dit dans la campagne, qu'ils feront avec nous, puisque notamment il y a une organisation politique là qui n'a pas soutenu la marche vers la pleine souveraineté, en fait, en ne prenant pas Nous, on dit simplement que, bien entendu, que ça a payé, mais au nord comme au sud et aux îles, il appartient aux élus de savoir comment ils constituent leur groupe. Oui. Et comment ils vont porter les choses, les propositions sur lesquelles ils ont été élus. Oui. Donc, en tous les cas, pour ce qui concerne la démarche unie, bien entendu qu'on fera comme les autres fois, on va prendre en compte les propositions au moins des 3 listes qui ont été élues au nord, les propositions qui sont faites à travers la circulaire, pour proposer des orientations de politique publique, et faire le nécessaire pour que ces différents groupes soient représentés dans les commissions, de sorte qu'on refasse dans cette mandature ce qu'on a toujours fait depuis, c'est-à-dire travailler ensemble et aller dans le sens de la construction et de la confrontation de notre souveraineté. – On va revoir encore une fois la composition du Congrès depuis ce matin. Et il y a un parti qui s'annonce ni loyaliste, que l'on a reçu juste avant dans la première partie d'émission, ni loyaliste, ni indépendantiste. Vous le voyez au centre de cette infographie, c'est l'éveil océanien. Alors, l'éveil océanien, on l'adosse aux 25 sièges des loyalistes. Donc, ça nous donne théoriquement le groupe loyaliste au Congrès qui se retrouve à 28 sièges. Or, ils l'ont annoncé, ils ne s'annoncent ni loyaliste ni indépendantiste. Si on les retire aux 28 sièges du groupe loyaliste, les loyalistes se retrouvent à 25 sièges. Et les indépendantistes à 26 sièges.
Alors, sur votre liste, on l'a vu, il y a des personnes qui représentent l'ouverture vers les autres communautés que vous prenez. Mmh. Nadège Fèvre, que l'on a reçue hier, et qui a annoncé dans les Nouvelles-Calédoniennes aujourd'hui, je cite, « On peut penser qu'il y a un électorat d'autres communautés que les Kanaks qui a voté ici en province nord. » Claudine Véry l'a confirmé également en première démission. Et puis, j'aimerais que l'on s'intéresse maintenant à la citation de l'éveil océanien du leader Milakulo Tukumuli qui dit, je cite, « Nous voulons nous émanciper politiquement », c'est-à-dire faire partie des discussions dans l'élaboration des lois du pays. Et juste avant, encore une fois, dans la première partie, l'élu numéro 3 des listes disait que nous sommes un petit caillou et nous voulons discuter et faire partie des grands cailloux. Est-ce qu'il est envisageable de voir une alliance entre les indépendantistes? Alors, moi, je vais être très clair. Je sais que vous n'aimez pas les projections et puis… Non, je vais être clair. Moi, je considère qu'en politique, on dit les choses avant d'être élu et pas après. Donc, je n'ai pas du tout suivi. Hein. Je dois être franc pour nos téléspectateurs. J'étais absorbé par la propre démarche de l'UNI, c'est-à-dire on assume notre bilan et on dit on va conforter la souveraineté en appelant les gens à nous faire confiance parce qu'on vote pour nous-mêmes à travers des orientations de politique publique qu'on va porter, ceux qu'on va élire. Donc c'est ça qui m'a occupé et je sais ce qu'on rapporte, ce qu'on entend, mais voilà. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que dans la démarche unie, que ce soit en province nord comme au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, on n'a jamais fait aucune alliance. On a été élu sur un programme, on siège, on est à l'exécutif ou pas à l'exécutif, et on se contente de soutenir les propositions qui vont dans le même sens. On en propose. Et on soutient ce qui va dans le sens des programmes que nous avons, sur lesquels on a été élus. Donc dans la mandature sortante, on a soutenu un certain nombre de propositions de réformes proposées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, contestées par certaines franges des loyalistes, mais qui allaient dans le sens des annonces que nous avons soutenues. Donc on fera pareil dans cette mandature. Donc j'ai indiqué tout à l'heure qu'effectivement, on fait la sommation d'étiquettes, mais on a fait bouger les lignes, on a fait bouger les frontières. Et nous, dans la démarche citoyenne portée par l'UNI, ben, je respecte tout à fait le fait que des ressortissants citoyens qui ne se reconnaissent pas dans les listes habituelles ou traditionnelles aient voulu se faire élire pour amener quelque chose dans la gestion du pays à travers la citoyenneté. J'ai dit et redit dans la campagne, ben, l'élu, hein, ou la citoyenneté, dans la citoyenneté, je veux dire plutôt, on dit toujours par ethnie, hein, le Wallisien, le Polynésien, le Tahitien, le Javanais, le Vietnamien. Non, pour moi, ceux qui votent là, ce sont tous des citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Non, je disais par exemple à Bonimien l'autre jour, un certain nombre de compatriotes d'origine indonésienne, mais qu'on dit Javanais. Mais le citoyen javanais, il est à Java. Celui d'ici, depuis qu'il est resté ici, on l'a appelé Niaouli. Ben, le Niaouli là, hein, comme on l'a appelé, il est citoyen calédonien. Le Ouvéa Mofutuna, qui est ici dans la liste là, il est citoyen de la Nouvelle-Calédonie. Ouvéa Mofutuna, c'est là-bas, c'est ceux qui sont à la maison. Le Maouine de Polynésie, qui est là-bas, il est Maouine de Polynésie là-bas. Celui qui est ici, il est citoyen calédonien. Et j'en passe. Mmh. Et donc, que cette liste et obtenir autant de sièges. Ce qu'il a été entendu par ses ressortissants ou ceux qui lui ont fait confiance, on veut exister, amener notre bière ici. Bon, ils sont nouveaux, ils viennent d'arriver, comme ça j'ai entendu tout à l'heure, ben, on verra bien ce qu'ils proposent ou à quoi ils vont adhérer. Ils veulent qu'il y ait de nouvelles réformes nécessaires pour prendre en compte des situations. Ben, nous, dans notre campagne, on a entendu tous ceux qui avaient dit, oui, par exemple, ben, la jeunesse a des nouveaux besoins. Il y a des jeunes qui ont des diplômes, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour qu'ils trouvent un emploi? Ben, voilà. Donc, nous sommes dans la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie et ces élections adossées à un corps électoral spécial
Ben, ce corps électoral spécial, ben, donne de droit une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie au pays Enoch. Ce sont des gens d'ici qui votent pour des choses qui vont être faites pour eux. Ils exercent déjà leur citoyenneté, puisque nous sommes déjà quasi indépendants, il ne reste plus que 5 compétences à transférer. Donc au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ça c'est pas la province, mais au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie légifère ou délibère dans des compétences dites Nouvelle-Calédonie. Transférer, c'est plus l'État, c'est plus l'Assemblée nationale. Donc là-haut, on verra bien si, malgré cette répartition indépendantiste, non indépendantiste, et au milieu, il y a des gens qui vont faire la bascule. C'est ça. Mais les frontières ont changé. Ceux-là qui vont faire la bascule, est-ce qu'ils sont obligés d'être là ou d'être là? Mais ils vont peut-être, comme l'UNI a fait depuis un certain nombre d'années, aller soutenir quelque chose quand ça va dans le sens de ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Donc voilà. Donc je veux dire, nous, on est ouvert à discuter avec tout le monde. On n'est pas là pour faire des alliances, Les loyalistes, pendant un certain nombre d'années, on finit par s'entendre en se partageant des postes. Président du Congrès, président de la province Sud. Donc ça, c'est la pratique à eux. Nous, on n'a jamais fait ça. Non, ni à la province Nord, ni quand on est au gouvernement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc on est disposé, nous, à travailler avec tout le monde, on va faire bouger les lignes, les frontières, parce que c'est le sens de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Je suis obligé de vous interrompre dans votre réponse. Nous arrivons malheureusement au terme de cette édition. Mais on a bien compris le message par rapport au Congrès. Nous, on va s'intéresser, on se donne rendez-vous vendredi, on saura qui sera le président de la province Nord. Merci à tous, je suis obligé de vous dire au revoir, bonne soirée. Merci. Merci.